notre disposition. Qu'est-ce qu'on pense, Rachid? Le matériel que nous avons à notre disposition est un matériel assez professionnel, si ce n'est, qu'il est entièrement professionnel, broadcast pour ceux qui connaissent. Et bon, d'aucuns le jugeront peut-être un peu vieux. Moi, je pense qu'il faut savoir manipuler les vieux appareils pour bien comprendre la nouvelle technologie. Tu as un stage en perspective, Rachid? J'ai pour l'instant un seul stage en perspective, vu que il est possible que je fasse ce dernier, donc mon stage, il est possible que je le fasse dans la nouvelle chaîne d'information, qui est une antenne de Canal Plus sur le câble. Ça sera très intéressant si je pouvais la faire, mais bon, il n'y a rien de fait encore. Et puis voilà, mais à vrai dire, ce que j'aimerais vraiment, en parlant de... c'est faire un stage à Paris, quoi. Parce que Paris est bien sûr non seulement la capitale, mais en plus c'est l'endroit où il y a le plus à exploiter en matière d'exploitation audiovisuelle. Et Rachid, et ma dernière question sera celle-ci, Rachid, et après je te laisserai tranquille. Concernant de tous les intervenants, de tous les formateurs, qu'est-ce que tu penses de leur pédagogie, de leur façon d'apprendre les choses, de transmettre un savoir? Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau de la transmission de leur savoir, les formateurs que nous avons ainsi que les intervenants, je pense que eux doivent faire l'effort de nous faire comprendre ce qu'ils ont à nous expliquer, mais nous devons faire aussi l'effort de changer notre mode de compréhension, parce que bien souvent les gens ont une façon de comprendre les choses qui leur est propre et ils ne veulent jamais en démordre. Alors il est bien des fois de pouvoir voir les choses sous un autre angle en matière de compréhension. Tu veux dire donc s'adapter? Qui est-ce qui vient de mettre à la compréhension? Moi je viens, monsieur Rico. Moi je pense qu'il faut s'adapter au formateur et que le formateur s'adapte un peu. C'est pas de l'ordre du 50-50, c'est de l'ordre en fait du sujet à traiter. Il y a des sujets dans lesquels c'est le formateur qui devra se mettre au niveau de l'élève, et il y a des matières dans lesquelles ça sera à l'élève de s'élever au niveau du formateur. Voilà, je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Je te souhaite bonne continuation. Merci. J'ai trouvé que ta dernière démarche était intéressante. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le son? Dans le son? Dans le son, ouais. Là, tu me prends un peu les couleurs. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le son? Ça se voit pas, c'est intéressant. C'est plus abstrait, c'est plus compliqué, je dirais peut-être. Le son, c'est tout ce qui... Ben en fait, c'est tout ce qui est... Que ce soit le son ou l'image. Donc tout est intéressant parce que c'est ce qui va... C'est un ensemble de choses qui va permettre, en rentrant dans le cerveau humain, de gérer des émotions. Donc c'est pas seulement le son, c'est aussi l'image, c'est aussi le toucher, c'est aussi l'odeur, mais bon, ça dans la vidéo, on le maîtrise. Mais que ce soit le son ou l'image, je pense que c'est le minimum à savoir à comprendre déjà, et puis après à utiliser. Donc pour toi, les vidéos technologiques, ça sert à transmettre une émotion, à transmettre... Est-ce que ça sert à se transmettre uniquement de l'émotion? Ça sert aussi à transmettre des informations. Quand tu vois un journal télévisé, qu'est-ce que tu penses d'un journal télévisé? Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? C'est beaucoup infochoc. Ça fait beaucoup travailler l'émotion. Ça fait beaucoup travailler... Je tire un peu la connerie humaine. On aime bien le sang, on aime bien que ça pèse, on aime bien dire c'est pas, ce sont des abrutis. Ça va pas. Ça fait battre le cœur. Non, ça fait pas battre le cœur. Ça fait pas avancer les choses, on dénonce. Peut-être c'est intéressant de ne pas faire avancer les choses, qu'est-ce que tu en penses? C'est une question saugrenue, excuse-moi, parce que là, c'est vrai, ne pas faire avancer les choses, c'est intéressant pour certaines personnes. Ah oui, on doit en parler politique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, concernant les vidéos technologies, dis-moi, Gilles, oui. Qu'est-ce que tu as appris d'intéressant ici qui t'a le plus passionné? Qu'est-ce que c'est aux vidéos technologies? Je crois que je me suis découvert moi déjà. Je me
suis découvert, moi, j'ai vu qu'il y avait, quelque chose à faire. Comme quoi, par exemple, Gilles? Quelque chose à faire avec ma vie, quelque chose de créatif. Ah, donc tu voudrais utiliser la technique pour le mettre en contribution d'un côté un peu plus créatif. Oui, ouais, tout en pouvant gagner ma vie aussi. C'est clair. De manière pécuniaire. Mais en laissant la possibilité à une autre Et concernant l'esprit de l'équipe, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as découvert des choses? Travailler en équipe, est-ce que tu savais le faire et où est-ce que tu as découvert qu'on pouvait travailler en équipe? J'ai découvert qu'on pouvait travailler en équipe, mais qu'il fallait pas attendre que les choses se fassent toutes seules. J'ai découvert qu'il fallait qu'il y ait des gens qui prennent les choses en main. Quand on sent que les autres prennent les choses en main, on peut leur laisser, les laisser faire et les suivre, les écouter et faire ce qu'ils nous demandent. Mais si personne ne le fait, alors là, il faut réagir et mettre en route la machine. Sinon, ça n'avance pas, sinon ça se tiendrait. Concernant une équipe de rugby, par exemple, une équipe, nous, on est une douzaine d'étudiants. Est-ce que tu vois des similitudes? Est-ce que chacun a un poste particulier ou s'il y a des interchangeabilités de postes? Ben voilà, là les postes ne sont pas définis. Par contre, il y en a certains qui ont des aptitudes à certains travaux. Mais je ne sais pas si tout le monde le reconnaît encore. Actuellement, on pense tout pouvoir faire. Or, il y a déjà des dessins qui se font. Et toi, qu'est-ce qui se dessine pour toi, Gilles? Une spécialisation, est-ce que tu arrives à le définir déjà? Je crois que c'est encore trop tôt. C'est même trop tôt pour en parler. Ok. Et ça se forme quelque part, mais c'est trop tôt pour le dire. Ok. Une question, une avant-dernière question, Gilles, concernant TMC. Oui. Quel souvenir tu en gardes? Oh là là, ce que j'ai morflé. Marjorie. Denise Favre qui m'a coincé dans un coin et qui m'a dit tais toi. C'est vrai, quand les femmes se font violentes, elles ont beaucoup de charme. Michel Leb et son rôle devant la télévision, le rôle qu'il prend devant la caméra, le changement de personnage, ça m'a beaucoup fait rire. Eh oui, on met une caméra, on met un micro et les gens changent. Oui. C'est comme dans la réalité, ça. C'est vrai. Eh oui, c'est particulier, mais ça ne dure pas longtemps. Et ma dernière question, Gilles, tes projets. Est-ce que tu as un stage en projet? Qu'est-ce que tu vas faire bientôt dans les semaines à venir? Mon stage, c'est TMC. Et pendant le stage, j'espère que mes idées seront plus claires. Mais alors là, je pourrais décider quoi faire après. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi, Jean-Sébastien, le son? Qu'est-ce que c'est pour toi, le son? Le son, je sais pas. Là, je me pose des questions de bon matin, alors que déjà, je suis perturbé. Le son, on le voit pas, c'est peut-être plus délicat à le gérer. C'est peut-être ça qui est intéressant techniquement. Ouais, c'est clair. Je sais pas te dire pourquoi je préfère le son à l'image. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance de l'équipe? D'accord. Des 16? Oui, des 16, non, entre nous. Ça va, ça dépend les jours. Et aujourd'hui, c'est un jour comment? Pour l'instant, ça a l'air bien. Mais on va voir la fin de la journée. D'accord, je pense que ça ira aussi bien à la fin de la journée. On va y veiller quand même, Jean-Sébastien. Une avant-dernière question, Jean-Sébastien. Concernant le stage, qu'est-ce que tu as prévu pour comme stage? Tu as quelque chose en prévision pour tes projets? Je vais essayer, je vais faire un mois de stage au Film du Soleil. Et je vais essayer de voir si je peux. Ça veut dire qu'on peut en faire 3 mois maintenant. Je vais essayer de voir si je peux pas faire deux mois ailleurs. Je cherche. Les Films du Soleil, où ça se trouve, Jean-Sébastien? À Marseille. Pour être bonne production. Ils sont plutôt polyvalents, ils sont plutôt spécialisés. Comment ils sont ces gens en Film du Soleil? Ils sont broadcast. Ah. Voilà. Ils sont pas spécialisés, non, ils travaillent pour les chaînes, pour des entreprises un peu pour tout. Et ma dernière question, Jean-Sébastien, qu'est-ce que tu penses de TMC? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as vu? Je sais pas, j'ai vu plein de choses, mais c'était terrible. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Qu'est-ce que c'est sur un plateau de télé? Ou éventuellement dans la régie? Je sais pas, c'était une ambiance assez sympa, du moins entre tous les techniciens, et j'ai trouvé ça excellent. Et très intéressant. Bon, j'oserais pas te poser une dernière question. Que penses-tu du sourire de Denise? Bon, je te trouve un peu quoi de Denise quand même. Un peu lourde. Mais bon, ça va. Ok, ça peut passer quand même. Ok, ça va, elle t'aime bien. Merci Jean-Sébastien.
En plus, les chewing-gums qui rendent les dents blanches, donc ça c'est bien. Ça enlève le truc du café, du tabac et tout, c'est terrible. Alors, tu préfères être devant la caméra ou tu préfères être derrière la caméra? Qu'est-ce que tu préfères, Williams? Moi, je préférerais être devant pour faire le comédien, mais j'ai pas le courage ni le talent, donc j'aime bien être derrière et ça me plaît. Et éventuellement, t'as pas une envie de passer devant, éventuellement, une autre formation pour passer devant? Disons que c'est le courage qui me manquerait parce que j'aime bien me retrouver devant la scène, me montrer en public, mais j'ai pas le courage, je suis trop timide. Donc, non, c'est pas que t'es trop timide, c'est que t'es bien jeune. Ouais, non, mais voilà, je sais pas, c'est... J'y arrive pas, donc pour l'instant, filmer les autres, c'est déjà bien, et puis quand tu filmes, t'es toujours dans le milieu du spectacle, donc milieu un peu privilégié quand même. Bon, et concernant les vidéos technologiques, oui. Qu'est-ce que tu as appris ici, William? C'est qu'est-ce que tu as appris ici, William? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui t'a le plus passionné entre la filmer, le montage, le son, la lumière? Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé, qui t'a le plus plu? Ce que j'ai le plus appris, c'est au niveau interne, tout ce qui est transmission du signal, comment ça se fabrique, toutes les normes et tout. Et les choses plus techniques que ce que je savais, disons que j'avais déjà filmé, là j'ai appris plus de choses. Comment à quoi ça sert les filtres et tout, je savais juste qu'il fallait en mettre mais je savais pas quand. Oui, j'ai appris des choses beaucoup plus techniques, plus pointues que ce que je savais, et au niveau physique tout ça, non, ça je connaissais déjà, donc c'est surtout au niveau caméra que j'ai appris. Niveau montage, je savais. Et niveau son, oui, niveau son j'ai appris, mais ça me plaît pas tellement le son, donc je préfère pas. C'est difficile le son, oui. On peut pas le voir, c'est délicat à gérer peut-être. Et puis il faut avoir une certaine oreille musicale, moi j'y connais rien en musique, c'est pas ma branche. Je préfère l'image que le son, parce que le son, pour dire si un son est bon ou pas, c'est-à-dire s'il est beau, ben non, je connais pas, j'y arrive pas. Si tu vois un journal télévisé à la télévision, qui a pas le son, qu'est-ce que ça te procure? Ça t'arrivera à comprendre ce que tu verrais, ou ce qu'on vous souhaiterait te faire comprendre? S'il est illustré d'images, tu peux comprendre, bon, admettons, si c'est un fait de guerre, tu comprends qu'il y a la guerre, mais tu as du mal à comprendre le pays, donc il y a la tour Eiffel en plein milieu, mais bon, c'est sûr, le son est très important, mais il y a des gens professionnels pour, et ça ne me branche pas tellement. Quoi. D'accord, oui. C'est vrai que c'est très compliqué quand même. Une équipe, tu pars en tournage, oui. Tu as quelqu'un qui interviewe, un qui fait la caméra, un qui fait le son. Mm-hmm. Ton poste, c'est plus à la caméra? Oui, je préférerais. Et qu'est-ce que tu penses de cette équipe à trois personnes? C'est-à-dire? Travailler en équipe. Mm-hmm. C'est mieux. On part pas tout seul, on part en équipe. Et partir à trois, c'est mieux, c'est plus facile. Parce qu'un caméraman qui fait tout à la fois, c'est assez compliqué. Il peut pas tout gérer, son cadre, son son, et poser les questions. Il y en a qui arrivent, mais bon, c'est des professionnels. Ils savent déjà très bien filmer, le son ils maîtrisent. Après, bon, les questions, ils savent les bases, donc ils savent poser des questions faciles. Est-ce que tu penses éventuellement, est-ce que tu penserais pas plutôt, Williams, qu'il serait plus facile d'aller sur un lieu et avec une seule personne plutôt que d'arriver à trois? On arrive sur, enfin, on définit un sujet à trois et on prend les rendez-vous, on arrive à trois devant une personne. Est-ce que tu penses pas que ça peut l'intimider des fois peut-être? Donc il pourrait comprendre ça, qu'on pourrait être devant la caméra. On arrive trois personnes, il y a trois personnes autour de toi, est-ce que c'est pas intimidant? Qu'est-ce que tu en penses? C'est possible. Mais bon, faut voir de quel côté faut se mettre, quoi. Du côté de la personne que tu interviews, tu veux la mettre à l'aise, ou toi, tu ramènes les meilleures images, le meilleur son. Donc, c'est vrai que j'ai déjà vu un GRI travailler, il posait sa caméra sur son épaule, il faisait son cadre, après il enlevait la tête de son viseur, et il parlait avec l'interview, quoi. Avec le gars en face, comme une discussion, et en même temps il filmait tout seul. D'accord. Et ma dernière question, Williams, tes projets, qu'est-ce que c'est tes projets? Où tu vas aller en stage? Où tu vas aller, dis-moi un peu. Je vais aller en stage à OMTV, puis peut-être monter sur Paris, mais j'aimerais bien rester dans la région, quoi. OMTV, qu'est-ce que c'est OMTV? C'est la télévision de l'Olympique de Marseille. Oh, bien, bien. T'es intéressé par le sport? Ouais, j'adore. Ben moi, je vais filmer du sport, surtout, si possible, du surf, du snowboard et tout ce qui est... sport extrême. Oh, tu vas éventuellement travailler alors dans un car numérique, comme VCF, Vidéo, ouais. Communication France. Ça me plairait, ouais. Ah, ouais.
D'accord. Voilà. Et t'es prêt à voyager un peu? Ah ouais, totalement. Ah, ok. Ah, bon, bah, Hawaii, tout ça. Bonne continuation et de faire de beaux voyages. Merci William. Ciao. Marco? Technologie, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses des vidéos technologiques? Ben, ce que j'en pense, c'est que c'est une bonne formation, franchement. Une formation où on a rencontré pas mal de gens, bien intéressants. Puis on a des gens qui viennent de tous les horizons, ça c'est pas mal aussi. Et puis ben, j'espère en fait que ça va pouvoir nous propulser un peu dans les métiers de la vidéo, et qu'on va pouvoir réussir à faire notre carrière là-dedans, et puis voilà quoi. Je pense que c'est le plus important. Et puis j'espère que tout le monde réussira, hein. C'est clair, hein. Tout le monde dans sa branche, mais bon, ça sera toujours plus dur, et puis on verra, voilà. Les intervenants, est-ce qu'il y a un intervenant qui t'a plus interpellé, une façon de voir d'un intervenant? Intervenant au niveau de la formation, ce qui m'a plus interpellé, bon, bah, c'est Poupo. Je pense que c'est lui qui m'a finalement un peu plus donné goût à faire de la vidéo, à faire de la pub, à faire des clips, parce que bon, lui, il est très très fort dans tout ce qui est création, dans tout ce qui est éclairage. Il a quand même un goût artistique assez prononcé, quoi. Donc voilà quoi. Et c'est vrai que Bernard Poupo, c'est lui le précurseur, c'est lui qui m'a un peu donné le goût à faire de la pub, à faire aussi, je sais pas, des clips. Voilà quoi. Concernant TMC, puisque Bernard est à TMC, j'ai fait éclairagiste à TMC. Concernant TMC, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir TMC? Et ben, tu vois, alors déjà j'en garde un bon souvenir parce que c'est une belle régie, c'est quand même c'est bon studio de TMC. Et moi je vais y passer un mois encore, alors donc ça va être encore mieux parce que je vais pouvoir et ben, je sais pas, profiter de tout le matériel qu'ils ont, et puis je pense que ça va être bien, et puis ça va être une bonne expérience pour moi, et puis j'espère qu'après ça, et ben, je trouverai des piges avec TMC, et puis même avec plein d'autres comment ça s'appelle ça, bah, ouais voilà quoi, travail, voilà, travailler pour TMC, mais pas que pour TMC, travailler pour toutes les autres boîtes quoi, qui est en France quoi, toutes les télévisions et tout quoi. Voilà. Mon stage va se faire à TMC. Ouais, mon stage se fait à TMC à partir du 17 janvier. 17 janvier. 17 janvier. À partir du 17 janvier. Voilà. D'accord. Voilà. Et concernant l'équipe, l'esprit de l'équipe, qu'est-ce que tu en penses, Camille? L'équipe. L'équipe, ouais, bah, ça se passe bien, tranquille. Hein. Moi, je trouve que ça va de mieux en mieux. Au début, c'était un peu difficile, on se connaissait pas. Puis après, petit à petit, ça a évolué. Donc. Tout le monde commence à se connaître, on sait tous à peu près nos défauts, nos qualités, et puis voilà quoi. Donc après on s'accepte quoi. Et puis il faut s'habituer, s'adapter aussi à tous les genres de personnes qui viennent faire cette formation, puis voilà. Quand tu dis on s'affiche. Bon, il y a un peu trop de mecs quoi, c'est ce que je déplore dans cette formation quoi. Heureusement trop de mecs. Ouais, mais bon, Josépha, elle compte du beurre là. Comment ça compte du beurre? C'est un petit soleil. Voilà. Okay. Voilà. On va manger? Ouais, allez, on va bouffer. Allez. Merci beaucoup, Claire. Ben, à bientôt, hein. Ciao. Bonne continuation.